Qu'est-ce qui vous intéresse spécifiquement dans le genre polar? So what interests you most about crime fiction? I always think that it's a story engine for which is great, but also I think crime sets all these elements of our personality into high relief. When something falls apart, we really see what we're made of. So people often talk about crime fiction as being dark or having a dark view of the world. I actually think it's the opposite. I think it shows resilience, it shows tenacity, it shows love often, sacrifice. So to me, it just is a great way of exploring these emotions. Donc elle dit que, en fait, finalement, la crime, c'est le moteur narratif. Beaucoup de gens trouvent ça très noir, mais pour elle, c'est l'inverse. Ça nous dévoile l'humanité en relief, nos meilleurs côtés, résilience, amour. Donc elle dit que ça, c'est vraiment une manière de mettre en puissance tous les différents aspects de la vie. Donc c'est pour ça que c'est un bon point de départ. Vous avez écrit un essai sur l'omniprésence masculine dans le polar hard-boiled. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Hard-boiled. Okay. So what's the? So he's talking about, you wrote about the male omnipresence in hard-boiled. Yes. Yeah. Yeah. It was the first. Before I started writing fiction, I was writing scholarly study of the tough guy, as we call it in America, the Bogart, Humphrey Bogart character. And that's what actually drew me to noir and to Chandler, even though Marlowe's not very tough. And it remains my fascination. I write a lot about women, but masculinity fascinates me, especially embattled masculinity. So there's a lot of embattled men in my books for that reason. Is embattled translate? It's a kind of a weird word. Beset. Yeah. Donc elle est assez fascinée par justement ce profil un peu de Humphrey Bogart souvent dans les films, mais d'un homme qui doit être très masculin, très brut, mais aussi qui est, c'est quoi cette masculinité? Et justement questionner la masculinité, c'est toujours une fascination pour elle. Elle dit qu'elle est venue à ce sujet d'abord et avant d'écrire des romans polars. Elle écrivait plutôt dans le cadre universitaire d'études de justement ses profils. Et c'est ça qui l'a amenée vers Elroy, vers Chandler. Et c'est ça qui l'a fascinée avec ce genre d'écriture. Vos protagonistes dans vos romans sont toujours des femmes? Your protagonists are always women. Except for one of my books. My second book is a man. I have another one of my books. One of the characters is one of the voices is male. But yeah, I have a lot of first person, and I won't think I would ever do first person male. That feels a little presumptuous. Patricia Highsmith can do it, but she can do a lot of things that the rest of us can't. I love the one my second book, the one I read the passage from is Absent, that's my terrible accent again, is a male protagonist. And I loved it. I would probably do it more if I were a little bolder. But I also think in the genre, there should be more female voices. So it feels like it's an opportunity and I should take advantage of it. Donc elle dit, effectivement, il y a très peu de voix masculines dans ses livres, sauf le deuxième, Absent, où il y a quand même un narrateur masculin. Mais elle dit, c'est parce que pour elle, ça semble un peu faux de sa part, parce qu'en tant que femme, c'est plus juste pour elle de s'exprimer, de parler avec un voix de narrateur, narratrice. Elle dit, elle a cité Patricia Highsmith, qui peut effectivement très bien trouver cette voix, canaliser cette voix masculine, mais pour elle, ça vient moins naturellement. Et d'ailleurs, d'autre part, elle trouve que c'est peut-être aussi un genre qui a besoin de plus de voix féminines, et donc ça rajoute une autre raison pour laquelle elle garde cette manière de raconter des histoires. Le fait de jouer, de renverser les stéréotypes du polar, c'est important pour vous?
So is it important to you to kind of turn on its head all the stereotypes about this genre of fiction? Yeah, I don't consciously do it because I think that makes for bad books, you know, if you have a political motive only and that. I think it just happens naturally. And I think that classic noir and hardboiled is actually more complicated about gender than it appears. I think it gets a bad rap for being sexist when I think it's really about that. So it's because I'm interested in ambiguity, I think it happens naturally. I think the genre rewards it. I think, you know, I think we read crime fiction for ambiguity. Donc elle dit que ce n'est pas son objectif, et d'ailleurs que ça ne serait pas très naturel si on avait un objectif politique du début. Mais il se trouve que oui, elle renverse ses stéréotypes, mais elle tient à dire quand même que avec le polar, beaucoup de gens dénoncent que c'est sexiste, que c'est contre la femme, et elle dit qu'en fait, si ça, justement, ça explore ces stéréotypes peut-être plus que d'autres genres de fiction. Comment travaillez-vous l'antagonisme dans vos romans? How do you work on antagonism or antagonists? Yeah, this is a big pet peeve I have in books are too broad. There's no translation for pet peeve, is there? Okay. I don't like a twirling mustache villain. I often end up falling in love with the ones I think are the villains, and then they get more interesting and complicated because I love them. So I don't really think in terms of villains or antagonists. I just think of everybody wants something in every scene, and no one is the villain in their own mind, and I try to keep that in mind when I write. Elle dit qu'elle tombe souvent amoureuse de ses propres antagonistes parce que justement, elle veut éviter, elle a toujours pas aimé dans les livres l'antagoniste, elle dit, qui a la moustache frisée. Et du coup, elle cite aussi le fait que l'antagoniste ne pense pas qu'il est antagoniste dans sa tête et que dans chaque situation dans le livre, chacun veut quelque chose. Donc elle essaie de garder ça en tête en permanence et comme ça, en fait, ça complique justement le rôle de l'antagoniste. Et pour terminer, quels seraient vos conseils à de jeunes apprentis écrivains? So to finish, what's your advice to young writers learning to write? My advice would be read, read, read as if your life depended on it. I think that's the best way to learn and follow your readerly passions. And the other thing I always tell students is that there's this cliche, write what you know, but I think it actually should be write what you're interested in, what fascinates you, what obsesses you. And so those would be the two ones, read and follow your fascinations. Donc elle dit lis, il faut vraiment s'enrichir avec la lecture, mais aussi on dit souvent aux jeunes apprentis en écriture, écrivez ce que vous connaissez, ce que vous savez. Elle dit peut-être c'est plutôt écrivez ce qui vous passionne, parce que justement cette passion va vous pousser dans la recherche, dans l'écriture. Donc c'est plutôt réajuster ces conseils standards. Voilà, nous allons passer aux questions du public. Si vous avez des questions à poser. Alors, je voudrais savoir comment vous écrivez, c'est-à-dire est-ce que vous écrivez dans un carnet, ça vous vient une idée de voix vous parle et à ce moment-là vous êtes dans le bus, vous commencez à noter, ou vous avez besoin d'un espace comme un bureau avec le computer. Donc, she'd like to know how you write. Do you have a journal? When you hear the voice in the bus, you can write it down, or do you need a calm, quiet space in front of your computer? For writing, really writing, I need
the calm, quiet space. But idea generating is everywhere. I often I write in, you know, post-it notes and all of that. But also the thing I've developed, and I know a lot of writers do this, is because we have our phones with us, I'm always sending emails to myself with and once I sent it to someone with missing a T on my name, Abbott, A-B-B-O-T-T, and she got the email, and it was some awful, violent, like, scene, and I sent it to her, and it was very embarrassing, so that, you know, watch, be careful. I've tried to be more careful since then. Donc, elle dit, pour l'écriture dure, oui, c'est assis dans un espace calme, mais que les idées, effectivement, viennent de nulle part tout le temps. Elle a l'habitude de les noter sur des post-it, mais plus spécifiquement sur son portable. Elle s'envoie à elle-même les mails avec des idées vite fait, et elle raconte l'anecdote assez drôle où, une fois, elle a mal écrit son propre adresse mail avec un T de moins dans l'adresse. Donc, elle envoie à une autre personne, à une autre Megan Abbott, une scène extrêmement violente de qu'elle voulait retravailler plus tard à la maison.